أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فريت يا بلينيا كويستيم نا بلاتو اوبر بيغاتيات شير سبيكتاتور سلام عليكم ادي ابريك نوي كانديدات ني سواغت كرسو ني اشاتسي كيتامي تشيتش سودين اماري ساتي ا بروغراما سات ديسو سان بلوز اتاندر اون فا باسي ا نوتر كانديدات زهرا سلام عليكم عليكم السلام Kim, cette année Alhamdulillah, je stresse un peu quand même. Tu stresses un peu Monet, t'as stress sentir tes. Peut-être via Dina Kolze Pellifere toi avec sa plateau Ah, ton mou est à de pellifere plateau matso. Toi après, il y a de ce bateau matso. D'accord Tu m'en es direct à ou Orkan à Pisag Alors, ma nom est Zarate. Je colle ma CM de matso. Je suis allée à ma classe 6, ma zone, et je suis allée à la maison. Mashallah. Tu as passé un passe-temps, tu as des dessins que tu as des photos. Des photos? Ah, Mashallah, Abad. Donc, tout est hier, ça? Oui. Hier, tu as dit, quelle question tu as dit, L'avant-dernier du niveau 2. L'avant-dernier du niveau 2 D'accord. On va faire en sorte d'arriver au dernier du niveau 3. On est d'accord Oui. Donc, sans plus tarder, la première question du niveau 1. Quelle est la capitale de Madagascar A. Antananarivo. B. Majunga. C. Tuléar. D. Tamatave. Alors moi, je trouve que cette question, elle est super facile, c'est A. D'accord, merci. Donc, Gouzratima Kerou Patsou pour les spectateurs, Madagascar ni capitale Keïtse. Donc A, Antananarivo, B, Majunga, C, Tuléar, D, Tamatave. On est appelé candidate Paul Barou, Zawab Dedidi, que c'est la réponse A. Ordinateur, veuillez valider la réponse A. Donc, effectivement, c'est Antananarivo. Bravo. On passe tout de suite à la deuxième question. Question. Quelle sourate du Coran n'a pas de Bismillah A. Sourate Fatiha. B. Sourate Tauba. C. Sourate Tauhid. D. Sourate Baqara. Quran Sharif ni kay surama bismillah nati A sura Fatiha ma B sura Tauba ma C sura Tauhid ma D sura Baqara ma Déjà sura Fatiha je sais déjà qu'il y a D'accord Après le reste ben Tauba et Tauhid je connais pas Sura Tauhid tu connais pas Appelé Madresa na concours sura matu participer tatiwit Oui. D'accord. Sura Tauhid maternel matiwit. C'est quel sourate Oui. Ah, c'est sourate. Que sourate c'est sura Tauhid Je sais pas. Ah. Ben, y a que le Tauba que je connais pas et Bokara j'ai déjà lu. Alors, je dirais que c'est Tauba, parce que c'est l'œil que je connais pas. D'accord, donc tu valides la réponse B, c'est ça? Oui. C'est ton dernier mot? Je crois. D'accord, donc ordinateur, veuillez valider la réponse B pour Zahra. Et effectivement, tu avais le bon raisonnement, la réponse est sous les Tauba. On va passer à la troisième question qui est... Quel Nabi parlait aux animaux A. Nabi Nuh alayhi salam B. Nabi Daoud alayhi salam C. Nabi Moussa alayhi salam D. Nabi Suleyman Je sais pas trop. Tenez, à peu près comment tu as dit Nabi na histoire, grande ligne Non. D'accord. J'avais appris en classe 3, alors j'ai oublié. Classe 3, Maratou Boulaïgut, d'accord. Je sais pas.
Donc, spectateur matché, Guzratima ou Patu Dorautu, Kein Nabi, Danvolo Sate, va tout cortata. Nabi Nou alayhissalam, Nabi Daoud alayhissalam, Nabi Moussa alayhissalam, qui Nabi Suleiman. Déjà, je pense que c'est pas Nabi Daoud. D'accord. Et Nabi Suleiman. Tu penses que c'est pas Nabi Daoud et Nabi Suleiman? Pour quelle raison? Par exemple, tu peux me dire un peu qu'est-ce que tu connais sur Nabi Daoud, par exemple? Rien. Rien. C'est pour ça que tu veux l'éliminer. D'accord. Né Nabi Suleiman? Je ne sais pas, mais je me rappelle juste une histoire là où il y avait un Nabi sur un genre de chameau et après il y avait des fourmis qui passaient, quelque chose comme ça. Donc, tu as peut-être c'est que Nabi Nou, quand Nabi Moussa, les fourmis, ça te va tout cueillir. Je dirais Nabi Nou. Nabi Nou? Pour quelle raison tu as peut-être c'est que Nabi Nou? Parce que Nabi Moussa, je ne sais pas. Trop, trop. Alors, je dirais Nabi Nou. Nabi Nou. Nabi Nou, histoire de Niat, c'est Zerak? Zerayad, Nati? Non. Arche de Noé, ça te dit rien? Ah, si. En fait, il y avait le tsunami, là. Alors, ça ne va pas être ça. Maintenant, je reprends Suleiman, alors. Alors, Moussa ou Suleiman? Suleiman? Ou Moussa? Moussa. Nabi Moussa, une histoire, est-ce que c'était en relation avec des animaux? Je crois pas. Tu crois pas? T'es sûr? Pas sûr? Pas sûr. Pas sûr? J'hésite entre Nabi Moussa et Nabi Suleiman. D'accord. Je sais pas. Nabi Moussa, une histoire, t'en dirais que. Nabi Moussa, qu'est-ce que ça te va tout cortata? Effectivement, et quoi ça te va tout cortata? Une entité que nous on discute pas en direct de notre ou le collisecteur. Allah. Allah, ça te. Ça veut dire que c'est Nabi Suleiman. Nabi Suleiman. Bonne façon de déduire. Donc on valide la réponse D? Oui. D'accord. Donc ordinateur, veuillez retenir la réponse D, s'il vous plaît. Et effectivement. C'était la bonne réponse. Nabi Suleiman irata qu'il disait des animaux sateva tout kari sektata hudhud dit upreti Nabi Suleimani, c'est un oiseau. Il y a sateva tout kertata. Effectivement, kiri saté, histoire c'est que Nabi Suleiman est un soldat sateva tatata, ne kiri saté poté va tout kari ratsene, il courra un shérif mapon, histoire beau, mais une histoire c'est raconter kari lit. Donc, ça va? Alors, on passe à la dernière question du niveau 1. Tu es prête, Zahra? Oui. C'est parti. Question 4. Quel jour jeûner est makrou? A. Id al-Fitr. B. Ashura. C. Pend al-Shaban. D. Viladet de notre premier imam. Donc, quel jour est rozu rakou makrou? A. Id al-Fitr na diouse. B. Ashura na diouse. C. Pende Shaban na diouse. Et D. Viladet de notre premier imam. Je dirais que c'est Ashura. Ashura, Taniyat, qu'est-ce qui se passe exactement? Ashura, c'est le jour là où c'est en Moram et là où Imam Hussein est mort et tout. D'accord, d'accord. Donc tu valides la réponse B. Ordinateur, veuillez retenir la réponse B. Et effectivement, c'est le jour de Ashura. Le jour de Ashura est un jour où c'est makrou de jeûner parce que les Oumayyades ont choisi ce jour pour fêter. Donc, à l'oko rozu rakta witi diouse. Donc, pour casser ça, après tout fêter natikorta, après tout deuil witi. Ok, très bien. Donc, Machalda, tu as atteint le premier palier. Donc, tu as déjà une enveloppe de 20 000 arrières qui t'attend. On passe au niveau 2. Tu es prête? Oui. Donc, première question du niveau 2. Quel est l'âge de notre 12e imam cette année 1444 de l'Hégire? A.
1185 ans, B 1187 ans, C 1189 ans, D 1191 ans. Les dates sont très serrées. Zahra, je vois qu'il y a près de 2 ans de différence entre toutes les propositions. Mm-hmm. Et je me rappelle que quand je suis allée poser les Oriza dans le Modalis, il y avait écrit en fleurs. Mm-hmm. Et le 15 Chaban, au Modrissa, on avait fait des QCM et il y avait cette question. Mm-hmm. Et je sais déjà la réponse, c'est 1189 ans. Très bien. Tu es sûre que tu ne veux pas appeler quelqu'un, mm-hmm. une auntie, non, utiliser bon, ton joker? Tu es sûre de ta réponse? Oui. D'accord. Donc, on va tout de suite demander à l'ordinateur de retenir la réponse C. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Donc, Mashallah, tu as bonne mémoire. Et effectivement, Ramana Zazvotan, tout Pondel Shaban, tout Imam Zamananu Umar, Ramana 1189. Deuxième question. Lequel de ces drapeaux est celui de Canada? Donc, t'as ordinateur matar drapeau affiché tasse. A, B, C, D. Dis spectateur aussi à l'oconé et décrète aussi. Tsar drapeau na fautatse. Ané et tsar drapeau matin et drapeau Canada note. Tout Canada dit vite? Non, mais j'ai de la famille là-bas, alors je sais déjà le drapeau. Ah, tu as de la famille, d'accord. Tu connais donc, c'est quelle réponse? C'est le B avec la feuille. Oui, c'est la feuille de Canada. D'accord. Donc, on va retenir la réponse B. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Année feuille d'érable. Ah. Oui. Donc, on va passer à la question 3. Avez-vous appelé Joker Vapolukopse? Quelle date? Ou bien tu réserves pour le niveau 3? Je ne sais pas encore. D'accord. On passe tout de suite à la question 3 du niveau 2. Quelle sourate est appelée le cœur du Coran? A. Sourate Fatiha. B. Sourate Jum'a. C. Sourate Nour. Ou D. Sourate Yassine. Quran Sharif nous kaye ou surote ke zenike wa mawete ke Quran nous dilte. A sur les Fatiha, B sur les Jum'a, C sur les Nour, D sur les Yassine. Alors ça c'est simple, depuis classe 3 je sais la réponse, c'est D, sur les Yassine. D'accord, t'es sûre que tu ne veux pas utiliser ton joker pour ça? Non, c'est bon, c'est simple. 100%? Oui. Donc on ne va plus attendre et ordinateur veuillez retenir la réponse D. Et effectivement, c'est sur les Yassine. Dernière question pour valider ce palier. Quelle action invalide le wouzou? A. Dormir. B. Manger. C. Boire. Ou D. Pleurer. Quelle action c'est que zénatine a plus wouzou batil teite? A. Souati. B. Kawati. C. Piwati. Et des roati. Mais déjà ça aussi je sais puisqu'on vient de faire la leçon l'année dernière. Et ben manger, boire et pleurer, ça casse le nomas. Alors c'est dormir qui casse le wuzu. D'accord. Ouh là là là. On a une candidate qui est vraiment sûre d'elle et ça rigole pas. Donc on va tout de suite dire à l'ordinateur de retenir la réponse A. A. La réponse A qui est de dormir. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Mashallah, tu viens de valider le niveau 2. Donc, tu repars avec une enveloppe de 50 000 arrières. Est-ce que tu veux t'arrêter ici? Non. Non? Tu es sûre de vouloir continuer? Oui. Donc, sans plus tarder, le niveau 3. Première question. Quel don avait octroyé Allah subhanahu wa ta'ala à Nabi Daoud? A. Marcher sur l'eau. B. Voler dans les airs. C. Pouvoir rester sans dormir. D. Ramollir la cire. Q.
et puis Kubi a dit que Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Daoud ne aïe pas. A. Pani mahalwanu. B. Hava maudwanu. C. Et puis taket que Kwedi was nindernave. Que D. Lodune norem karwani taket. Alors, ça déjà c'est plus dur que les autres. Et déjà pouvoir rester sans dormir et ramollir la cissa, je n'ai pas encore appris s'il y a un hobby qui a ça, alors je crois pas que c'est ça. Alors j'hésite entre marcher sur l'eau et voler dans les airs. D'accord. Je te rappelle que tu as encore tes deux jokers, qui est le 50-50. Donc l'ordinateur va éliminer deux réponses. Ou celui de l'appel à un ami. Donc tu peux encore utiliser tes jokers si tu veux aller plus loin. Moi je dirais marcher sur l'eau. T'es sûre de ne pas vouloir utiliser tes jokers? Oui. 100%? Oui. D'accord. Il y a une raison particulière à vouloir accepter le marcher sur l'eau? Parce que vraiment... je me rappelle plus d'une histoire de marcher sur l'eau que voler dans les airs. D'accord. D'accord, donc on valide ta réponse. C'est ton dernier mot? Oui. Donc, marcher sur l'eau, ordinateur, veuillez valider cette réponse. Et malheureusement, la bonne réponse était ramollir l'acier. T'as déjà entendu l'histoire de David et Goliath? Non. David, Nabi Daoud. Donc, ce sera l'occasion d'en connaître un peu plus sur Nabi Daoud alayhi salam. Mais malheureusement, notre aventure s'arrête ici. Est-ce que tu es... D'abord, t'as-tu souhaité vital que tu kiens ce dipougis au début de l'émission? Le dernier du deuxième. Dernier du deuxième. Donc déjà, tu es arrivé au premier du troisième. Donc, mashallah pour cette première fois pour toi. C'est déjà très très bien. Est-ce que tu as des ressentis? Tu aimerais dire quelque chose? C'est assez stressant au début, mais après ça va. Il y a quelques questions qu'on n'arrive pas, mais on a le temps de réfléchir. Et aussi, n'oubliez pas d'utiliser vos jokers parce que... C'est un bon conseil. Donc, je te remercie, Zahra. J'ai passé un très bon moment avec toi. Et j'espère que nos téléspectateurs également abad suivre Kaira Asse, ne Maza Pairi Asse, ne Zanwanou Meilou Asse. Inch'Allah, après Foriti Kale, après Moulakata, c'est Biza Candida Sate. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.